ont abandonné le secteur de la petite entreprise, pourtant un moteur économique vital. Alors que les grandes entreprises ont vu, elles, leur taux d'imposition diminuer constamment malgré la récession, les PME n'ont pas reçu d'aide. Pire, les conservateurs ont carrément aboli le crédit d'impôt en embauche, en fait, pour les PME. Ils disent vouloir mettre l'accent sur la croissance et sur la création d'emplois, mais ils abolissent un outil majeur pour y parvenir. Pourquoi est-ce que les conservateurs ont aboli le crédit d'impôt à l'embauche? Pourquoi? Madame la ministre des petites entreprises. Monsieur le Président, régulièrement, on voit dans cette chambre le NPD voter contre des propositions pour l'entrepreneuriat, pour les entrepreneurs. Et ce budget-là est un budget pro-croissance économique, pro-entrepreneurs, parce que nous faisons en sorte de contrôler nos dépenses pour permettre aux entrepreneurs de pouvoir créer les emplois et la richesse. Ce n'est pas les dépenses gouvernementales, contrairement à ce que l'NPD demande, qui va créer la richesse. Plus de dépenses gouvernementales, ce n'est pas un stimulus, Monsieur le Président, ce serait un sédatif pour l'économie canadienne.